D'autres restent peut-être à découvrir, mais ce masque mortuaire d'Ataï est l'un des trois exemplaires jusqu'ici recensés par les spécialistes. Ataï, le grand chef kanak de Comalé, est tué par un auxiliaire le 1er septembre 1878, alors qu'il mène l'insurrection contre les colonisateurs français. Sa tête est expédiée en France. Entre 1878 et 1882, des moulages en plâtre sont réalisés directement sur son visage. Cet exemplaire, habituellement exposé au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, a été peint pour rendre les couleurs de la peau et des cheveux du guerrier.